Yannick Arnissi, aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour l'achat d'un Halflinger. Oui, je me suis enfin décidé à acheter un Halflinger. Et on est en présence de... J'ai toujours pas de nom. De Dylan, voilà. On lui cherche un pseudo, mais bon, pour l'instant ça n'a rien donné. Du coup, on va aller acheter un Halflinger. Bon, on va tous aller les voir, j'ai déjà plus ou moins fait mon choix. Ce sur l'application, il m'intéresse pas. On a dit on se gratte pas pendant la vidéo. Pardon. Sur ma toilette. Donc, on se retrouve pour regarder les Halflinger. Donc là, on en a un. Ah, il fait un peu gay avec sa mèche. Alors, tu peux pas appuyer Justin Bieber, tu sais. Non, on peut pas. Mais du coup, voilà, là, il y en a un. Il y a une petite tache rose sur le nez. Un ladre, ça s'appelle. Justin Bieber. Il est mignon, mais j'aime pas plus que ça. J'aime pas cette décoloration. T'es sûr que c'est un cochon? De quoi? Dans ta sacoche, là. Oui, c'est un cochon. Ça ressemble à un hamster géant, quand même. Sans poil. T'as déjà vu un cochon aussi heureux, toi? Ah, c'est pour ça qu'on dit être heureux comme cochon. Ah non, c'est ouais. Copain. Non, être copain comme cochon. Je sais pas. Ah, mais j'hésite entre les deux, c'est horrible. Du coup, là, on en a un qui est un peu plus clair. Qui est assez neutre niveau couleur, hein. Qui a ouais, qui a pas trop de délavage, je sais pas comment ça s'appelle. Il me plaît bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est en dessous de ses crins, il cache une pelote là. Mais on le voit pas. Et là, on a un autre Halflinger encore. Lui aussi, il est mignon. Il est un peu plus foncé. Il a une jolie liste et des petites basanes. Et j'hésite grave entre les deux. Je sais pas lequel prendre. Prends lui. Ah mais non. Mais pourquoi non? Bah, tu sais pas à quel moment je suis dit de prendre lui. Donc j'ai fait le choix à ta place. Ouais. Voilà. Ouais mais non. Je préfère un autre en bah, fait. Bah alors dis pas que t'hésites. Non bah je sais pas lequel je préfère. Mais lui. Non. Parce si. Qu'il est trop foncé, j'aime pas. C'est parce qu'il est noir. Elle est pas noire. Je sais pas, oh, putain. Mais prends lui, t'es à côté de lui, là, il t'aime bien et tout là. Mais lui, il irait mieux de la queue. Lui aussi, il m'aime bien. Non, regarde. Il aime pas, lui, il fait son faux cul. Le avec sa mèche, là. Vas-y, je vais le faire. Non, vas-y, je le prends, lui, parce que j'aime bien. J'aime bien sa petite bouille. Alors que lui, je sais pas. Moi, je le prends, lui. Alors, le Halflinger est une espèce de chevaux caractérisée par leur petite taille, leur comportement calme et doux, leur teinte de baie et leur crinière claire. Enfin, elles en crânent lavé, quoi. Ils sont originaires des montagnes du Tyrol, en Autriche, et tiennent leur nom de Halfling, un village de la région. Merci, je savais pas lire. Oui, mais... Après, dans la vidéo, ces petits, ils arrivent pas forcément à lire, donc c'est sympa de leur lire, tu vois. Le Halflinger était à l'origine un cheval de très fort et patient, mais aujourd'hui, il est utilisé pour la plupart des sports équestres en raison de sa popularité et de sa polyvalence. Son tempérament calme et fiable en fait aussi un excellent cheval de famille. Le Halflinger est utilisé dans les environnements alpins abrupts et tolère très bien la neige et le froid. Donc voilà, il est adapté au froid. On va pouvoir aller dans la neige avec lui. Restriction, donc il faut avoir le niveau 5 pour l'avoir. Et il coûte 810 Starcoin. Starcoin. J'ai un peu bugué sur le mot. Et aussi, les Halflinger, c'est des gros bouffetous. Ça, ils le disent pas. C'est des gros brutes aussi. Oui, j'ai connu quelques Halflinger très mal éduqués dans ma vie. C'est mon copain. Parce que c'est un bouffetout, il est mal éduqué? Non. Non, oh, c'est bon, ça se fait pas ce que tu dis là. T'inquiète, ça va aller, mon chou. Mon chou? Ouais. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'autre idée. Mon chou. Chou-fleur? De Bruxelles? Bref. Du coup, bah, on va l'acheter. Et j'ai décidé de l'appeler Skywalker. Hashtag Star Wars. Voilà, exactement. Skywalker. Et... Petite anecdote fort inutile à savoir, c'est que Skywalker, c'était aussi le nom du premier Halflinger que j'ai monté de ma vie. Voilà. Et du coup, je lui dédie ce cheval. Il n'est pas Walker. Si, il est, mais dans le W plus haut. Est-ce qu'il est W plus haut? Oui. Oui, ils ont pas toujours pas mis sur la même liste. Ils sont un peu... Voilà, Skywalker. Mais bête, hein. Et j'ai une question, est-ce qu'à la fin de sa vie il deviendra Dark Vador?
Je ne pense pas. Il se fera couper les pattes et il aura des pattes robotisées. Et il aura des super pouvoirs. Aucune idée. Et voilà. Du coup, achat du petit poney. Ton nouveau joli cheval est transporté dans ton écurie. Tu le trouveras dans ton écurie. Oh, il est enfin corrigé avec le tu-le dans ton écurie. Tu te rappelles? Oui. Du coup, bon bah, plus de boucherie. Bon bah, on va aller le voir, le petit Skywalker. J'aime trop. Un petit trop conduite, hein. Méthode de flemmard. Par contre, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont foutu parce que c'est un peu dangereux, j'ai l'impression qu'il roule un peu vite, un peu près du bord. Oui. Ah, je crois qu'ils l'ont foutu en pâture vu que j'avais plus de place. Je crois. Tu rentres dans ton écurie. T'es tellement con que tu savais même pas, tu vois. Ouais. Ouh, faut que je pense à ranger mes chevaux parfois. Je vais voir si. Il est pas. Si, ils l'ont foutu. D'accord, très bien. On va faire du rangement un peu. Je vais ranger qui? Ah tiens, je vais mettre LSD en pâture. Ah, coco. Ouais, je peux mettre LSD en pâture. C'est moi, l'autre, il est moisi derrière, là. Lui? Ouais. Non! C'est sa couleur! Il y a du vert. J'ai cru qu'il y avait des champignons qui poussaient dessus. Quand on met Space Cake dedans... Il est pas content, l'autre, là. Regarde-le. En plus, il a une tête grave méchante. Bon, du coup, on va prendre Skywalker. Et du coup, son surnom, ça va être Anakin. Parce qu'Anakin Skywalker. Voilà. Merde, voilà. Non, pas enlever les fers. À chaque fois, j'ai tendance à oublier les... À enlever les fers. Tu vas me la mettre en tête. Arrête, après, je vais me faire striker parce qu'on entendra une musique qui... où j'ai pas les droits dessus. C'est moi qui chante, tranquille. Oui, bah oui, mais ça passe pas quand même des fois. Il chipote pour rien. Du coup. C'est bon, George Lucas, c'est mon pote, tranquille. Ouais. Du coup, je vais ranger un peu mes chevaux quand même. Il a une longue queue, hein. Ouais. Oublie ce que je viens de dire. Oh, là, il est trop choupi. Oh, trop mignon. Trop mignon. Du coup. Mon amour pour les pixels. Du coup, bah. On lui met déjà l'équipement noir pour voir. Bacon, voilà, Bacon Amy. Parce qu'il a bien. Oh, j'adore ses allures. Je suis en amour avec ce cheval, il est trop beau. On va aller quelque part pour regarder ses allures tranquillement. Quelque part où personne ne nous gênera. C'est-à-dire encore une fois dans les bois creux. Moi j'entends pas le son alors. Non mais moi je l'entends. Du coup c'est chiant. Et j'ai une question, ils font jamais caca dans le jeu? Non. Parce que t'aurais de la merde partout quand même, là. Hein. Oui. Ah, surtout les samedis, il y a plein de monde de coups. Ça sentirait pas très bon, il y aurait plus d'herbe et tout. Mm. Le chemin du moulin sur la colline, ils sont vraiment pas fait chier pour nous. Hein. Ouais, il y a un moulin sur la colline. Ce que je dis, ils sont pas fait chier pour nous. Là, il y a un cheval sauvage, là-bas, il y a personne dessus. On peut pas prendre un lasso et l'attaquer. Non, mais il y a quelqu'un avec. Regarde. Il y a Hélène Panasson avec. On va pas la faire chier plus que ça, on s'en va. Placement de produit. Pourquoi? Enfin, placement de personnage. Ah. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas un produit. Du coup. Oh. J'aime bien son pas. C'est très beau. Sympa quoi. Sympa. Tu pourrais rire! Du coup, le trop. J'aime beaucoup, il engage bien ses pattes. Il se juge parfaitement. Est-ce que les autres chevaux, c'est différent? Oui. Est-ce que parfois, il se casse la gueule? Non. Putain, c'est pas drôle. Donc oui, il se juge bien, c'est parfait. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire quand un cheval se juge. Donc en fait, ça veut dire que ses sabots arrière rentrent dans les traces qu'ont laissé ses sabots avant. Voilà. Tout con. Du coup, petit galop. C'est joli aussi. Il lève bien ses antérieurs, j'aime bien. C'est joli. Galop un peu plus rapide. J'aime bien aussi l'engage. C'est un cheval engagé. Il arrive à l'armée et tout. Bah, du coup, on a vu... Oh, je suis en amour avec son animation de saut.
Oui, non, mais là, je suis en amour. J'ai plus un pluton qui vole. T'es sûr qu'il a pas pris un peu de drogue, là? Oui. Non, j'adore son animation de saut. Genre, quand... Enfin, ralentir un peu, pour voir. Genre, il saute haut et loin. Il se propulse bien, en fait. J'adore. Je suis fan. Il a mangé des fajolets. Du coup, le galop un peu plus rapide, ça fait une salade de pâtes. Très drôle. C'est une salade de pâtes en bas, quand même. Mais il engage bien, j'aime bien. Arrêt d'urgence. Ah, il y a un truc que j'aime bien avec son arrêt d'urgence. Ouais. Il est pas content. Ouais, mais j'aime bien son arrêt d'urgence. Oh, avec ses petites animations quand il gratte avec la papate. C'est mignon. Pile, oui. Non, pile. Ah, pile. Et pas pile ou face, hein, tu piles. J'ai pas compris. Tu piles. Ah, tu que je pile. Le truc que tu sais pas faire. Oui, j'ai un peu de mal à piler en voiture parce que j'ai pas encore appris pour l'instant. Mais du coup, le cabré. Ça me fait penser énormément au cabré des frisons quand même. Ils se sont pas foulés pour l'occasion. Et marche arrière. Si t'entends boum, c'est que c'est prêt. Ouais, non, j'aime bien sa marche arrière. Et ce que j'adore chez le Halflinger, c'est droite, sa... gauche. C'est sa petite tête. Et aussi, autre chose que j'ai remarqué, c'est que contrairement au Mustang, leur crin, ils volent. Enfin, genre, ils sont un peu pas collés, l'encolure. Parce qu'avec les Mustangs, on a des soucis que les crins, ils étaient collés à l'encolure et à l'épaule. Alors que là, ils volent, c'est bien. Et aussi, il a la queue vachement bien fournie. Et légèrement ondulée, à ce que je vois. Trop grande. Je suis jaloux. D'ailleurs, elle est un peu surélevée. Ça, les mecs comprendront. Il y a que 19% de mecs qui regardent mes vidéos. Les 19%, ils comprendront. Ils rigoleront. Du coup, ouais, sa queue, elle est un peu surélevée parce que sinon, elle toucherait par terre carrément, mais j'aime bien. Ça fait beau. Et du coup, il y avait un autre truc que je voulais voir. Ah oui. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de PQ. Parce qu'il s'essuie avec sa queue, c'est ça? Ah, c'est gore. Imagine, ouais. On fait ça. Bah, toi, tu peux pas. Pardonnez-moi pour cette blague salace. Ce que j'adore chez les Halflinger, c'est la petite bouille. Trop mignonne. Je sais pas, ils ont une petite bouille mignonne. Du coup, on va aller voir les coiffures aussi, mais d'abord, je vais vous montrer aussi les équipements que je lui ai préparés. Du coup... C'est pas moi. D'accord, très bien. Du coup, premièrement, on a un équipement bleu, blanc, rouge qui... France. Voilà, qui fait assez français avec la petite sacoche en cœur pour bacon. Juste, je vois pas où est-ce que tu veux du bleu. C'est du bleu, ça. Du bleu. C'est ah, du bleu. Ouais. Voilà. C'est plus noir quand même. Hein. Ouais. Ça fait bleu, rouge, blanc dans ce cas-là. Hein. Oui. Tout vu à prendre. T'es sûr que t'as été au CP? Pas en France en tout cas. Non, du coup, j'adore beaucoup cet équipement sur lui, ça lui va bien. Et on a la même chose, enfin une chose ressemblante en rouge. Je lui ai fait un équipement rouge aussi. I'm that poor. Non, c'est une mauvaise botte ça. Du coup, ça reste le chapeau d'un. Voilà. Et je vais faire un équipement rouge aussi. Mais je préfère un équipement en bleu, blanc, rouge pour lui. Du coup, bah, je vais remettre ça. Voilà. J'adore. Je suis totalement fan de cette tenue. Et oui, je m'auto-félicite pour mon bon goût. Pour ton bon goût. Voilà. J'ai un bon goût en matière de garçon. Je trouve. Pas à voir, on va laisser le personnel en juger. Est-ce que vous trouvez que j'ai bon goût au niveau des garçons? Est-ce que vous le trouvez beau? Attention à ce que vous dites, parce que vous dites non, je vais vous dire c'est pas gentil. Vous dites oui, je vais dire pas tout, c'est le mien. Et du coup, on va aller voir la coiffeuse. Putain, à chaque fois je lag quand je suis à Steve. Ça fait un peu Disney, le château. Hein. Oui, d'ailleurs, la prise de vent est énorme, pas très stable. Monsieur l'architecte. Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme coiffure? Oh mon dieu! Ah, c'est horrible!
En plus, sa queue, elle est toute maigrichonne, du coup. Hein, je vais le voir de derrière. Ah, horrible. Des pions. Est-ce qu'on... Non, j'aime pas non plus. Punky. J'aime pas les pions sur la flinger. Ils ont pas une tête à pionter, ça les rend encore plus gros. C'est comme mettre des pions sur un chien, ça les rend plus gros. J'aime bien les gros. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je sais pas. Je suis complexé par mon complexe. Et non, j'aime pas non plus. Ta-ta-ta-la-la-ta-la-la-ta-la. Non, bah non, j'aime bien. J'aime bien ces trucs de base. Bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire, à montrer. Ah, t'as eu mal, eh. Oui. Oh, t'es rouge. Je vais essayer un peu d'exploser sur une barrière. Genre, tu peux mourir dans le jeu. Si ton cheval il meurt, tu fais quoi? Tu le récupères Oui, on est reconduit à l'écurie. Oh. Mais c'est un peu nul. Du coup, ma petite licorne, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à de prochaines aventures. Compte sur vous. Coco ma petite licorne ici, Unicorn ici. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour... Pardon. Vas-y, continue ton truc. Non mais là je recommence. Pourquoi tu rigoles? Hein? Parce que ton changement de voix. Coco ma petite licorne ici, Unicorn ici. Laisse-moi le faire, toi. Vas-y, vas-y. Ok, bon bah... Vas-y. Mais tu recommences pas depuis le début? Mais si, mais pour... tu voulais le faire, non? Ouais, mais je sais pas, t'arrêtes pas, tu recommences, hein, non? Non. Parce que je mettrais ça dans le bêtisier. Non. Si. Non, je vais plus le faire, j'ai peur. Allez. Coucou mes petites motos. Alors ici, un bon moteur de 100 chevaux sur une petite XJ6. Ah non, c'est les chevaux. Coucou les petits chevaux. Je laisse la parole. Bon. Du coup, oui. Acheter des motos, il y a plus de chevaux. Non, mais ça coûte un peu plus cher aussi. Ça dépend, hein. Ouais. Un moto, ton cheval, il vaut plus cher que ma moto. Pourtant, ma moto, elle avance mieux. Ouais. Allez, ta moto elle est moins mignonne. Ah alors là. Hey. Bref, du coup voilà.